Donc, pour ceux qui connaissent la série Frères d'armes, c'est le lieu de bataille qu'on voit dans la série à propos de Bastogne, avec le village de Foix qui est en face de moi. Donc ici, on a sûrement des reconstitutions de trous d'hommes qui servaient peut-être de première ligne, voire de deuxième, donc de ligne défensive. Donc je parle de reconstitution parce qu'on peut retrouver, donc ça, c'est un gant de parachutiste. Donc c'est une copie. Quelqu'un a dû le perdre. Donc ils sont venus faire des photos ou une reconstitution ici. Et il l'a sûrement perdu. Donc je le remets là et le jour où il reviendra, peut-être qu'il le retrouvera. Donc on continue notre petit bonus entre guillemets de cette région magnifique qui est les Ardennes belges. Donc ici on est à Oufalize. Derrière moi un char de type Panthère. Donc celui-ci a été récupéré dans la rivière qui passe à côté, ce qui doit être l'Ourthe, s'il me semble. Donc il était retourné et ils l'ont remis là après la guerre, quelques années après la guerre. Donc voilà, il est en très bon état. Donc on va continuer un peu notre périple. Il reste plus grand-chose à voir sur la route, ce dont je me souviens surtout. Bon, on va pas faire une synthèse de la bataille des Ardennes, mais bon, on passe sur la route. On va essayer de voir les lieux qui sont bons à voir. Et voilà, tout ça sera pour un petit bonus. Allez, on continue. Donc là, on est dans le village de Huibrin, avec la particularité qu'il reste le char M4A3. Donc c'est un Sherman. Vous allez voir après. On croirait qu'il est encore complet, mais non, il y a la moitié qui a disparu. Voilà, donc je vais redescendre du char et puis je vais te laisser faire tes plans. Peux-tu me dire pourquoi ce char a été découpé en deux? Alors, déjà, comme on peut voir, il s'est pris quelques obus. Donc c'est peut-être ça qui l'a mis à l'arrêt. Le canon, tu filmeras, je pense qu'il a été saboté parce qu'il devait être encore fonctionnel. Et si le char reste sur place avec un canon en état, l'ennemi peut s'en servir encore rien que comme canon, donc pour tirer. Donc ils ont dû mettre un explosif dans le canon, et le canon c'est un chou-fleur maintenant. Ensuite, après la guerre, d'après ce que j'ai encore en mémoire, le char a été découpé, enfin a commencé à être découpé pour les ferrailleurs. Et c'est un habitant du village qui l'a récupéré. D'après l'histoire, je ne sais plus si c'est le curé qui l'a échangé contre une bouteille de vin, enfin voilà. Donc ils ont commencé à le découper, ils sont arrêtés, donc voilà. Voilà ce qu'il en reste.